Banyakubahwa, ba vice-président. Mesdames et messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les députés, excellences, nous sommes 75 députés, le quorum est donc atteint. À l'ordre du jour, nous avons à entendre le ministre des Relations internationales et de la coopération internationale qui va nous donner faire le point des questions de la région. Alors, je voulais d'abord demander s'il y a un député, conformément à l'article idoine, s'il y a un député qui a une question à porter à l'attention de la Chambre. Il n'y en a pas. Nous allons par conséquent donner la parole à Monsieur le ministre des Relations internationales à prendre la parole pour nous présenter la situation des relations avec les pays membres ou les pays membres de la région. Je voulais vous rappeler que ceci, le point de l'ordre du jour, ce n'est pas la supervision du travail du gouvernement, c'est une séance d'information sur les relations avec les pays voisins, notamment la RDC, afin que nous puissions mieux comprendre de quoi il s'agit, nous dire exactement qu'est-ce qui a été fait, il y a l'initiative de Nairobi, le processus de Luanda, est-ce qu'il y a des obstacles, des problèmes et des entraves. Et concernant les mesures à prendre pour aller de l'avant, est-ce que la diplomatie parlementaire peut jouer un rôle? Sans plus attendre, Monsieur le ministre, veuillez donc prendre la parole. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous remercier pour cette occasion que vous m'avez donnée de venir devant vous pour discuter de ces questions des relations avec les pays étrangers, notamment les pays voisins. Laissez-moi vous dire d'entrée de jeu que les relations sont bonnes en général. Je vous donnerai quelques détails sur chacun des pays voisins, mais laissez-moi vous dire tout d'abord que les relations sont bonnes. Il y a certes un problème avec un problème dans les relations avec la RDC, relations qui n'ont pas été au beau fixe depuis quelques semaines. Quant au Burundi, nous avons de bonnes relations. Il y a eu une petite difficulté à partir de 2015 lorsque il y a eu la tentative de coup d'État que vous connaissez. Et à cette époque, il y a eu une petite friction. Et nous avons reçu un assez grand nombre de réfugiés burundais. Mais petit à petit, les relations se sont rétablies. Pour le moment, nous avons de bonnes relations. Nous nous rendons les uns chez les autres. L'autre jour, je suis allée à célébrer l'indépendance du Burundi l'année dernière. Nous avons envoyé d'autres missions, soit pour des réunions, soit à d'autres occasions. Mais nous avons également des gens qui visitent dans les deux sens. Vous vous souvenez que nous avons eu une relation également entre les provinces, hein,
provinces avoisinantes et même certains chefs de district. Donc ça va. Il y a eu une fermeture de frontières qui avait commencé avec le COVID, qui s'était un peu prolongée, hein, cette fermeture. Mais tout cela est levé maintenant et les relations se rétablissent. Et nous pensons que si, même s'il restait quelques questions, nous avons les moyens de les résoudre et nous allons le faire. Donc je voulais vous dire que nous avons en fait beaucoup progressé dans nos relations. Voilà pour le Burundi. Concernant l'Ouganda, il y a eu également des difficultés. Nous en avons parlé, mesdames et messieurs les députés et sénateurs. Mais pour le moment, cela va bien. Le point de frontière Gatuna a été fermé. Maintenant, il a rouvert. Nous prévoyons une réunion. Hein. Nous allons avoir notre 15e réunion de coopération cette année-ci. Et donc, tout va bien. Même le ministre des Affaires étrangères est venu en visite officielle me voir. Nous sommes parlé. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que nous avons fixé la date de notre réunion sur la coopération qui se tiendra en mars. Mais il y a eu une réunion préparatoire de techniciens pour préparer ce sommet. Et donc, ça va. Pour la Tanzanie, il n'y a pas de problème. Nous avons déjà tenu une réunion sur réunion de coopération. Nous avons signé des accords de coopération en deuxième étape. Hein. Nous avons également sur la défense des accords. Accords de défense, donc c'est toujours un témoin de ce que les relations se portent bien. La dernière réunion, nous avons pu passer en revue ce qui a été réalisé pour voir si les décisions de la réunion précédente ont été mises en œuvre et la prochaine réunion se tiendra au Rwanda. Concernant le Kenya, le Sud-Soudan, parce qu'il fait partie de la communauté d'Afrique de l'Est, nous n'avons pas de problème avec ces pays-là. C'est des relations d'amitié, de coopération tout à fait normales. Concernant à présent la RDC, il y a eu des problèmes. Et je pourrais même dire que les relations ne sont pas du tout bonnes. Les problèmes ont commencé à la fin de 2021, lorsque dans la région de Rutshuru, en RDC, il y a eu des combats entre M23 et d'autres groupes. Vous vous rappelez que ce groupe armé, M23, existe depuis longtemps, mais en 2013, elle a été vaincue. Ce groupe a été vaincu par la Force International Brigade. C'était une force qui travaille avec l'armée congolaise. Alors, ils se sont enfuis, une partie en Ouganda, une autre partie au Rwanda. Ceux qui sont venus au Rwanda ont été désarmés et ont été mis dans un camp de réfugiés loin de la frontière. Et ces armes ont été rendues à la RDC. Il y a eu ensuite des discussions qui ont engagé ce groupe de réfugiés et la République démocratique du Congo, qui ont abouti en 2019 à un accord dans le cadre duquel ces populations retourneraient dans leur pays. Malheureusement, cette fois, comme toutes les fois précédentes, aucun de ces accords n'a été mis en œuvre. Et voilà.
Voilà la situation. Il y avait même à un moment donné, des représentants de ces réfugiés sont allés au Congo, sont allés à Kinshasa. Bien, ils ont poireauté là-bas, personne ne les a reçus, je n'ai pas intéressé à eux. Et donc, finalement, ils sont repartis. En 2021, les combats ont recommencé. Alors, les combats ont été lancés par le M23, mais ces éléments-là ne venaient pas du Rwanda. Oh, mais la RDC a accusé le Rwanda, a continué de le faire en disant que c'est des attaques qui viennent du territoire rwandais. Alors j'étais étonnée parce que nous avions des accords de coopération, y compris des accords pour lutter ensemble contre les FDLR, le groupe armé qui vivait encore en RDC et d'autres sous-groupes, FDL, Runana, Rouge, Runana, enfin toutes sortes de groupes, mais ce sont des sous-groupes du FDLR. Alors, j'ai expliqué à mes collègues que ces gens ne sont pas venus du Rwanda. Et j'ai dit, mais vous pouvez toujours voir, ceux que nous avons accueillis comme réfugiés sont tous ici. Ils n'ont pas bougé. Mais non, ils ont commencé à en parler. Ils voulaient même venir les attaquer. Ou attaquer ces M23, qu'on va les renvoyer au Rwanda. Alors que ceux que nous avions accueillis comme réfugiés étaient au Rwanda, bien sûr, n'avaient pas bougé. Voilà, les choses se sont envenimées à partir de là. Mais laissez-moi faire un peu l'historique du M23. Je commence par la période coloniale. À la période coloniale, est venue avec des frontières arbitraires qui font qu'il y a des Rwandais qui sont restés à l'extérieur de ces frontières artificielles établies par la colonisation. Il y a deux parties aux provinces du Rwanda. D'ailleurs, ça a été reconnu le 8 février 2010. Lorsque les colonies du Congo et Rwanda belge, ainsi que les colonies anglaises de l'East Africa, eh bien, ils se sont entendus et chacun a divisé un peu sur la carte, comme ça. Et donc, une partie de Congo belge, Rwanda-Burundi, Congo belge, la frontière a été tracée de façon à ce que une partie du Rwanda se trouve au Congo. Alors, les gens sont rwandophones, continuent à parler au Kinyarwanda. Mais donc ça, c'est une petite partie. Une deuxième partie des Rwandais sont partis sous la colonisation belge. C'était des travailleurs migrants pour les mines, aussi bien que pour les terres agricoles congolaises. Donc, en 59, ça a commencé en 59, et puis après, bien sûr, il y a eu des mouvements, y compris des réfugiés, à cause des troubles du pays à partir de 59. Ceux qui se sont réfugiés au Congo, la plupart sont rentrés après la fin du génocide. Mais ceux-là qui étaient partis depuis longtemps, y compris les provinces qui ont été détachées du Rwanda, ceux-là sont restés pour la plupart. Alors, ils ont subi toutes sortes de malheurs. On disait que ce n'étaient pas de vrais Congolais. Et surtout en période électorale, ils avaient beaucoup de malheurs. Bon, maintenant, à partir du génocide,
Il y a eu des ex-phares, des Interahamwe qui, en grand nombre, se sont enfuis. Et en fait, pris des otages de la population, pris en otage, qu'ils ont forcé à traverser la frontière. Malheureusement, au mépris du droit international, ces gens n'ont pas été désarmés et on les a établis trop proches de la frontière. Alors, à partir de cette période, ils se sont associés avec les forces armées congolaises. Il y a eu des entraînements, on les voyait. Des entraînements, c'était au grand jour. Si bien que les camps militaires sont devenus, ou plutôt les camps de réfugiés sont devenus des camps militaires. Le HCR a fait des rapports. Le Rwanda a fait des rapports également. Malheureusement, la communauté internationale n'a rien fait. Alors, vous vous souvenez, la première attaque des Interahamwe ex-FAR, vous vous souvenez du général Augustin Bizimungu, qui cherchait dans la province de Rutshuru un lieu où installer ses soldats. Alors, il a commencé à exterminer les rwandophones, surtout les rwandophones tutsis. Ça se comprend. Ces gens, c'était des génocidaires qui sont partis avec les mentalités, l'idéologie génocidaire. Et donc, ils ont continué le génocide là-bas, puisqu'ils ont tué des tutsis du Congo. En 1966, les rwandophones congolais ont commencé à se réfugier au Rwanda. Alors, je voulais dire un mot sur cette haine des rwandophones au Congo. Eh bien, en 93, il y a eu un rapport des Nations Unies et des ONG des droits de l'homme, un rapport qui a montré que les Maï Maï, c'était un groupe armé, les Maï Maï ont commis des atrocités, mais avec l'appui de l'armée congolaise et des autorités congolaises. Il y en a eu d'autres. Et tous ces groupes, il se trouve qu'ils visaient très souvent les Tutsis congolais. Mais ils avaient aussi d'autres cibles. Mais pour les Maï Maï, ce n'était pas seulement les Tutsis, c'était tous les rwandophones. Alors, ces gens se sont réfugiés puisque le gouvernement, les autorités n'ont rien fait pour protéger ces populations congolaises. Bon, ensuite, donc, il y a eu les ex-FAR et les Interahamwe, puisqu'ils étaient en très grand nombre. Ils ont appliqué la continuation de leur mentalité génocidaire et ils ont commencé à faire comprendre aux populations que l'ennemi, ce n'est pas seulement le Rwandais, mais c'est aussi le Congolais rwandophone. Et donc, ils ont commencé à chasser, à pourchasser, à persécuter les Tutsis, notamment les Tutsis du Congo, et les ont massacrés. Et donc, la population a décidé que, puisque le gouvernement ne les aidait pas, ils se sont organisés en groupe d'autodéfense. Autodéfense parce que l'État avait complètement failli à les secourir. Mais vous savez, déjà à cette époque, lorsque les Interahamwe et ex-FAR sont allés au Congo, ils ont créé des groupes. Il y a eu Alir et Pali. Alors, il y avait Alir, l'armée, et puis Palir, c'était la branche armée. Et donc, lorsqu'il a été décidé que c'était un groupe terroriste, ils ont changé de nom, ils se sont appelés FDLR. Alors, il y avait Alou Drounana, je sais quel autre groupe, FLN. Mais en fait, tout ça, c'est des subdivisions de la lire originale qui a changé de nom et de structure pour se déguiser.
parce qu'il avait été reçu le label de génocidaire, de groupe terroriste. Alors, il y a eu également un autre groupe, enfin, je veux dire, il y a eu ces groupes donc, qui se sont créés, groupes de défense, pour lutter contre les FDLR, parce que le gouvernement ne les aidait pas du tout. Et c'est à cette époque qu'est né le LCD comme groupe en décembre 1966. Alors, les combattants de LCD se sont scindés en deux. Alors, ils ont eu des problèmes également. Finalement, ils se sont réunis dans ce qu'ils ont appelé CNDP pour lutter contre, pour protéger les Rwandophones Tutsi. Alors, en 2009, jusqu'en 2009 pour expliquer. Je viens d'expliquer, donc depuis mars 23, je viens d'expliquer l'historique pour en revenir au groupe qui nous occupe. Donc, il y a eu d'abord des accords entre le groupe Ntaganda et CNDP, qui est maintenant, Ntaganda est en prison à La Haye. Et donc, il s'agissait de créer un groupe reconnu par le gouvernement du Congo. Parce que le gouvernement avait accepté le rapatriement des citoyens congolais et il avait été mis en place des structures pour ce faire, mais ne l'a pas fait. Donc, le gouvernement a continué à soutenir le FDLR, aggravant le problème des réfugiés. Et c'est pour cela que ce groupe est sorti de l'armée congolaise pour créer le mouvement du 23 mars. 23 mars étant les accords de 2009 qui auraient dû aboutir dans la fin de la guerre et le rapatriement des citoyens rwandais réfugiés au Rwanda. Et donc, mais ils ont été vaincus, ce groupe a été vaincu. Il y avait la MONUSCO, trois pays, Malawi, Afrique du Sud et Tanzanie, qui étaient venus aider les forces congolaises. Alors, j'ai dit qu'il y avait un groupe armé qui avait été désarmé. Ils étaient désarmés. Donc, ils sont venus au Rwanda comme réfugiés. Ils étaient désarmés. Et chaque fois, on les accusait de vouloir déstabiliser le Congo. Il y avait même... on a tout fait, toutes sortes de provocations pour que le Rwanda entre dans ce conflit. Pourquoi? Parce que la RDC et les forces armées congolaises sont avec les anciennes forces armées rwandaises, FDL, et aussi avec le FDLR, enfin toutes ces forces-là. En fait, ils sont encadrés, encouragés, armés par l'armée congolaise. Donc, bien sûr, ce qu'on raconte... c'est loin de la vérité. On continue de discuter avec nos collègues congolais, mais ils nient cet apport qu'ils apportent aux ex-FAR et Interahamwe. Alors, je voulais vous dire que le FDLR, est-ce que travaille en Est RDC? Et laissez-moi vous rappeler qu'en octobre
il y a eu une attaque FDLR dans le Kinigi. Il y a eu des morts de nos compatriotes. Mais il y a eu des morts aussi de l'autre côté, dans notre camp. Et ceux qui n'ont pas été tués sont retournés au Congo. L'un des leaders, vous le savez déjà depuis quelque temps, qu'il est mort d'une récente attaque dans le Rutshuru. Mais cette attaque qui est plus ancienne est réelle. Donc, quand vous dites que nos forces de sécurité luttent contre des forces congolaises, ça n'est pas seulement des nouvelles, c'est pas des choses qu'on raconte, parce que le 5 octobre, 2019, il y a eu une attaque. On a tué 15 personnes avec 14 blessés et des dommages très importants sur les biens. Alors, mais finalement, donc, cette guerre, je reviens à cette guerre au Congo entre ces deux groupes, mais on continue de dire que c'est le Rwanda qui lutte, qui les appuie. Alors, on leur a montré des preuves que nous n'avons rien à voir avec ces guerres, mais ils continuent de nous accuser. Alors, là, en mars de l'année dernière, ils ont tiré sur le Rwanda, toujours dans le Kinigi. Ils ont bombardé. À Rwanda, heureusement, personne n'a été tué. Mais ces obus sont tombés au Rwanda. Alors, ils ont dit, ah non, c'est parce que nous luttions comme ça contre les FDLR. On voulait qu'ils retournent dans leur pays. On dit, mais pourquoi voulez-vous qu'ils retournent dans leur pays au Rwanda? Ce n'est pas nos compatriotes. Pas nos compatriotes, ce sont vos gens. Donc, on a appelé la communauté internationale pour faire un rapport. Mais ça a continué en mai. En mai, pas mal d'obus et des gens ont été blessés et des biens endommagés. En octobre, de nouveau de cette année, ils ont recommencé. Et tout cela pour vous dire que il y a des actions concrètes, claires, qu'a posé la RDC pour attirer ou provoquer le Rwanda à une guerre. Pourquoi faut-il provoquer le Rwanda? À quoi ça sert? Ah ben, eux seuls le savent. Mais ce n'est pas tout. Dans les mois passé, dans les trois derniers mois, hein, les avions de combat du Congo ont pénétré dans l'espace rwandais trois fois. Et la dernière fois, l'autre jour, il a quand même fallu réagir. Et ils ont tiré sur cet avion qui était dans l'espace rwandais. L'avion a été touché, mais il a pu retourner à Goma. Donc, c'est des provocations sans nombre pour attirer le Rwanda dans cette guerre. La sous-région elle-même a quand même agi. Il y a eu des réunions à Nairobi, il y en a eu à Luanda. Je ne vais pas répertorier toutes les réunions, mais je vais vous dire ce qui est sorti de ces réunions. À Nairobi, un document a été signé portant sur les décisions prises. D'abord, il était demandé à ce que la République démocratique du Congo puissent avoir des discussions avec les mouvements rebelles. Parce qu'à l'est de la RDC, il y a plus de 130 groupes armés.
Il y en a qui sont constitués de Congolais, d'autres d'étrangers. Alors, il s'agit de FDLR, Rude Runana, FLN. Il y a des groupes burundais, Retabara. Il y a ADF, qui est un groupe ougandais dans le nord, en Ituri. Mais là, il s'agit d'une multitude de groupes armés. Alors, à Nairobi, les chefs d'État ont dit que la RDC devrait mener des discussions avec ces groupes armés constitués de Congolais. Alors, parmi ces groupes armés congolais, alors le M23 faisait partie de ces groupes parce que c'est un groupe constitué de Congolais aussi. Alors, concernant les groupes armés étrangers, ils devaient donc déposer les armes et les combattants de ces groupes armés devraient être rapatriés et les groupes d'origine devaient donc examiner les voies et moyens donc de les insérer dans la vie sociale, comme on le fait ici au Rwanda. Vous savez, au Rwanda, nous avons un centre à Mutobo. Vous savez que c'est un exercice que nous avons mené depuis plusieurs années maintenant. Alors, telles étaient les résolutions, mais dans la mise en œuvre de ces résolutions, la RDC a décidé de mettre de côté le M23 en disant que c'était un groupe terroriste. Et c'est eux-mêmes qui l'avaient qualifié ainsi. Le gouvernement et le parlement de ces pays l'ont décidé ainsi pour les mettre de côté. Alors, ils ont essayé de faire, ils ont invité d'autres groupes armés formés de Congolais. Ils ont juste fait un dialogue. C'est presque du théâtre parce que la plupart de ces groupes armés travaillent de concert avec le gouvernement de la RDC. Donc, ce n'était pas vraiment un dialogue, c'était juste un faire-valoir de dialogue pour dire qu'ils avaient mis en œuvre les résolutions du sommet des chefs d'État. Alors, cela a eu lieu une, deux, trois fois. Les réunions ont été tenues, mais en RDC, notamment à l'est de la RDC, rien n'a changé. Les combats ont continué. Alors, l'armée de la RDC a continué à travailler de pair avec les FDLR, a continué à les armer, à leur procurer des armes et munitions et en combattant contre le M23. Alors, il y a eu d'autres réunions à Luanda. Donc, à Luanda, les réunions visaient à restaurer la relation bilatérale entre le Rwanda et la RDC. Mais comme les relations entre les deux pays avaient été dérangées à cause de ces groupes armés, y compris le groupe M23, les FDLR, alors les relations ne pouvaient pas être harmonisées sans discuter de ces aspects-là. Alors il a fallu maintenant fusionner le processus de Nairobi et de Luanda. Et un rapport est sorti le 23 novembre de l'année passée. Alors, il y avait différents chapitres. Alors, d'abord, il fallait l'arrêt des hostilités en général et l'arrêt des attaques de M23 contre les FRDC et la MONUSCO. Et une date avait été précisée. Il avait été prévu aussi que les communiqués des chefs d'État des réunions de Nairobi, surtout celles du 21 et du 22 juin. Donc, il s'agit du processus de Nairobi. Et aussi une feuille de route, la feuille de route de Luanda, qui avait été convenue le 7 août 2022. Et il y a aussi une réunion spéciale qui a eu lieu à Bujumbura, donc en novembre, en 2022. Alors, je peux vous dire, donc c'était tout un long parcours. Alors, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est que pour la feuille de route de Luanda, il y a des parties différentes. Alors, pour le M23 et les FARDC, qui devaient donc cesser les hostilités,
Alors, le M23 devait reculer. Donc, il y a des endroits où il devait rester. Et même la réunion des chefs d'État de Bujumbura, donc de novembre 2022, avait statué sur cette question-là. Alors, tout cela a été convenu. Donc, c'est l'un des aspects qui avait été convenu. Mais il y avait d'autres choses. Il y avait la question des FDLR. Les FDLR devaient arrêter les hostilités. Il avait été convenu qu'il devait donc arrêter les hostilités et rentrer. Et puis, il y avait aussi la question des réfugiés congolais à hauteur de 75 000, dont des réfugiés congolais ici au Rwanda et d'autres réfugiés qui sont au Kenya et en Ouganda. Alors, leur problème devait être étudié pour qu'ils puissent rentrer dans leur pays, la RTC. Alors, tout cela, il y avait déjà un calendrier arrêté pour toutes ces décisions, pour la mise en œuvre de ces décisions. Et là, il y avait aussi des équipes pour chargées de la mise en œuvre de ces décisions. Alors, la raison pour laquelle je suis revenu sur le communiqué de Luanda du 23 novembre 2022, c'est qu'aujourd'hui, quand vous entendez les dires de la RDC et même que la communauté internationale soutient ces dires, alors ils disent que les conventions n'ont pas été respectées parce que le M23 ne s'est pas retiré comme cela était prévu. Alors ils ne disent rien sur les FDLR et d'autres groupes armés étrangers. Ils ne disent rien sur la question des réfugiés. Ils ne disent rien sur les discussions politiques, alors que tout cela figure dans ce communiqué-là. Alors, aujourd'hui, ils disent, voilà, les conventions n'ont pas été respectées. Le M23 n'a pas respecté les conventions. Mais ce qui a commencé à être mis en œuvre, qui a commencé, mais qui n'a pas encore été terminé, c'est la question du retrait du M23 de ses positions. Alors, le M23 a cédé certaines positions qu'elle a laissées à la brigade de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Alors, voilà. Donc, il avait été convenu que les groupes armés qui refuseront d'arrêter les combats et d'entrer dans un dialogue politique, alors les autres groupes armés ou composés d'étrangers, dont cela devait rentrer, donc sans autre forme de procès. Alors, il était dit que cela qui n'allait pas accepter cela, que ce soit les groupes armés étrangers, que ce soit les groupes armés congolais qui auraient refusé les décisions des chefs d'État, qu'une brigade de la communauté des États de l'Afrique de l'Est puisse être instituée pour lutter contre eux. Alors aujourd'hui, ils disent que l'accord de Luanda n'a pas été respecté. Mais le M23 a au moins évacué certaines positions. Et donc, chaque fois que le M23 cède ses positions, elle cède à ce groupe qui est venu de l'Afrique de l'Est, donc pour que ces positions ne soient pas vides. Donc voilà, le M23 donc a cédé ces positions-là. Alors dans le communiqué de Luanda, je vais le répéter, aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui a commencé à être mis en œuvre, c'est cela, donc c'est la cession de ces positions du M23. Donc, c'est une activité qui a commencé, mais qui n'est pas encore conclue. Alors, pour tous les autres aspects, que ce soit concernant les FDLR et d'autres groupes armés étrangers, la question des réfugiés, nous n'avons toujours pas entendu de communiqué qui parle des réfugiés congolais qui sont au Rwanda, en Ouganda, au Kenya, au Burundi, et qu'on va les dénombrer et peut-être commencer à mettre en place un plan
de leur rapatriement. Cela n'a jamais eu lieu. Même les FDLR, aucun communiqué, que ce soit un communiqué du gouvernement de la République démocratique du Congo, que ce soit un communiqué de la MONUSCO, des Nations Unies, aucun communiqué n'a jamais été sorti concernant donc l'arrêt des hostilités par les FDLR pour que les FDLR donc, puissent commencer le rapatriement vers le Rwanda. Alors, quant aux discussions politiques, je vous en ai déjà parlé, mais on n'en parle toujours pas aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est un peu comme si ce communiqué de Luanda portait seulement sur le paragraphe lié au M23. Alors, autre chose. Alors, la RDC, que ce soit le président, les ministres, ils ont toujours dit des choses sur le Rwanda et la communauté internationale l'a pris comme cela. Et j'imagine qu'il y a des intérêts politiques. Je pense que d'autres essaient donc de faire comme les autres. Alors, ils ont commencé à créer ou à rédiger des communiqués parlant du Rwanda, en disant que le Rwanda a envoyé des troupes en République démocratique du Congo, soi-disant pour soutenir le M23. Alors, si vous avez bien suivi l'historique que je viens de vous retracer, je crois que vous-même, vous pouvez le lire. Alors, s'il y en a un qui devait fournir des réponses, je crois qu'en tout premier lieu, ce sont ceux-là qui ont joué un rôle dans la création de ces frontières. Ceux qui ont joué un rôle pour prendre des Rwandais, les amener au Congo. Donc, évidemment, ce moment-là, je crois que c'était encore le Congo, le Zaïre, je crois que ce moment, c'était encore le Congo. Ça s'appelait le Congo belge. Alors, les responsables de cet acte-là devraient avoir, n'est-ce pas, à nous vous expliquer, ou alors à jouer un rôle, ou alors à devait reconnaître le rôle. Il y en a qui étaient ici pendant le génocide perpétré contre les Tutsis, qui ont joué un rôle pour le refuge des exfars au Zaïre. Ils étaient dans les camps, ils ont pu se réorganiser. Et ils ont commencé à déstabiliser la sécurité du Rwanda. Alors, tous ceux-là qui ont joué ce rôle-là, ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais aujourd'hui, tous se joignent ensemble, ils crient « Rwanda, Rwanda ». Alors, je crois que cela devrait faire partie des personnes qui devraient répondre de ce qui se passe là-bas. Alors là, ils sont là, ils posent en donneur de leçons, il décide qui doit être coupable ou pas. Eh bien, vous, en tant que Parlement, nous vous demandons votre aide. Aidez-nous à leur dire, à dire à toutes ces personnes de bien vouloir relire l'histoire et puis de revoir aussi leur rôle dans ce qui est en train de se passer dans cette région. Au lieu de poser, n'est-ce pas, en donneur de leçons, en désignant les coupables. Je crois qu'ils ne devraient pas faire cela. Autre chose, vous savez, ces réfugiés congolais, les réfugiés congolais rwandophones, il y a parmi eux des Tutsis congolais. Donc, certains d'entre eux sont réfugiés depuis une vingtaine d'années. Nous l'avons dit. Je vous ai dit, et personne n'a soulevé ce problème ou essayé de trouver des réponses à ces questions. Tout ce qu'ils font, c'est de venir choisir certains d'entre eux, les amener dans d'autres pays. Bon, alors je crois que tout cela, c'est toute la problématique. Alors, il s'agit des Congolais. Alors, la réponse appropriée serait de les aider à
reprendre leurs droits dans leur pays. Au lieu de venir prendre, sélectionner quelques-uns, les amener en Australie, aux États-Unis, au Canada, eh bien, cela n'est pas du tout une réponse appropriée à ce problème dans ce pays et dans la sous-région. Autre chose, vous avez suivi ce qui se dit au Congo. Vous avez entendu un discours de haine et il y a même eu des cas de meurtre dont des personnes qui ont été tuées, soi-disant parce qu'ils sont Tutsis. Donc je ne vais pas vous l'expliquer. Vous savez, vous avez vu des images dans les réseaux sociaux. On tue des gens, on mange la chair humaine. Eh bien, tout cela qui parle, n'est-ce pas, de l'envoi des troupes au Congo, je crois que c'est à eux plutôt d'y aller, d'envoyer des troupes afin d'arrêter ces actes de barbarie perpétrés par les forces de la RDC et la FDLR et les autres. Alors, la MONUSCO est là, qui est là depuis une vingtaine d'années, et parmi et même cette force d'intervention, cette brigade d'intervention internationale qui avait défait le M23 en 2013. En fait, leur mandat, c'était de lutter contre les groupes armés, y compris les FDLR. En 2013, lorsque le M23 a été vaincu, dont les FDLR ont pu, n'est-ce pas, se réorganiser et personne n'a rien dit. Et maintenant, les mêmes forces sont toujours là. Les mêmes troupes des Nations Unies sont toujours là. Vous l'avez entendu en RDC. Chaque fois, ce qu'on dit, bon, on dit que des Congolais ont été tués, ça c'est mauvais et personne d'autre ne devrait être tué. Cependant, c'est comme s'il y avait des gens qui devraient être tués et cela est perçu comme normal. Ces Tutsis congolais dont je vous ai parlé, vous savez, les gens le disent même dans les réseaux sociaux, on en tue, on a même vu des réfugiés au cours du mois passé. Nous avons jusqu'à 3 000 réfugiés qui fuient ces violences, qui fuient ces... meurtre. Alors, voilà, jusque-là, la communauté internationale n'a toujours pas levé le petit doigt. Les Nations Unies ont une agence chargée de la prévention du génocide. Il y a un communiqué qui a été rédigé concernant, n'est-ce pas, ces persécutions sur base ethnique en RDC. Alors, la façon dont ce communiqué a été publié et la suite après, et les gens qui continuent toujours à parler des troupes rwandaises en RDC, personne n'a levé le petit doigt pour condamner ces violences. Il y a même des groupes armés tels que le COTECO, donc sont des groupes qui tuent des gens sur une base ethnique, tuant les Emma, donc voilà. Donc, c'est devenu quelque chose de banal, de normal. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, au niveau international, personne ne condamne ces actes. Voilà. Donc, la chose est devenue normale. Alors, quand on parle de génocide, et vous voyez sous tous ces actes de violence, de persécution, ciblant un groupe ethnique, eh bien, nous nous demandons ce que la communauté internationale attend pour condamner, pour que nous puissions voir qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais le répéter encore une fois. Les forces de la RDC continuent à travailler avec les groupes armés à l'est de la RDC, comme avant, en fait un peu plus qu'avant. Il y a les forces de la RDC travaillent avec les FDLR, et ils engagent des attaques conjointes
contre le M23 et même insinuent qu'ils veulent venir attaquer le Rwanda. Et vous avez vu ces avions de combat de la RDC qui ont violé l'espace aérien rwandais. Et vous avez vu qu'il y a aussi des mercenaires. La RDC a invité des mercenaires, environ de 300 mercenaires, ils sont là-bas à Goma. Et alors, je voudrais vous rappeler qu'il y a, il existe une convention internationale. Il y avait une convention de l'Organisation de l'Unité africaine. Et avant que donc, l'organisation ne devienne l'Union africaine. Cette convention a été signée le 3 juillet. Donc, c'est une convention qui visait l'arrêt, n'est-ce pas, des mercenaires en Afrique. Alors, il y a donc des... Aujourd'hui, on ne devrait pas du tout entendre parler des mercenaires en Afrique sans que personne ne les ait rappelé, n'est-ce pas, cette convention de l'Union africaine. Voilà, donc nous avons ces mercenaires qui sont là et tout le monde on les voit et tout cela vise à attaquer le Rwanda, vous avez entendu parler de cela, vous avez entendu les différents discours du président du Congo, vous avez lu le communiqué du ministre des Affaires étrangères ces derniers jours, où il disait que il se retirait de ce communiqué de Luanda et de Nairobi. Voilà. Donc, vous voyez que c'est un langage à peine voilé qui... prévoit la guerre, voilà, contre le Rwanda. Alors, voilà, donc, j'essaie de vous relater la relation entre notre pays et la RDC, donc, voilà. Mais je voudrais vous dire que notre région a prévu, des façons de résoudre ces problèmes. Quand nous sommes allés à Luanda, le 23 novembre 2022, lorsque le communiqué a été signé, le communiqué dont je vous ai parlé, avant même de commencer la réunion, et un autre communiqué a été publié venant d'un pays important, un pays fort, disant le M23 est soutenu par le Rwanda, donc qui devrait arrêter. Donc voilà, c'était une façon en fait de saboter les efforts de la région. Et plus tard, d'autres ont suivi, mais la plupart d'entre eux, si pas tous, devraient se calmer, devraient même avoir honte, devraient être humbles et devraient venir participer à donner des solutions pour un problème qu'ils ont eux-mêmes créé. Alors, le gouvernement du Rwanda, je vous ai parlé des différentes conventions que nous avons accepté et nous sommes préparés à les mettre en œuvre avec les autres pour faire revenir la paix dans la région. Alors, pour les relations entre le Rwanda et la RDC, nous voudrions que notre relation puisse s'améliorer. Mais aussi, il y a les réfugiés congolais qui sont ici, devraient, n'est-ce pas, avoir leurs droits de rentrer dans leur pays et leur sécurité devrait être protégée. Alors, concernant les groupes armés étrangers qui se trouvent à l'est de la RDC depuis plusieurs années, et ces groupes qui travaillent avec les forces de la RDC, donc tout cela devrait s'arrêter. Il y a eu beaucoup de conventions, il y a eu beaucoup de conventions. Donc voilà, le gouvernement de la RDC a une particularité de signer des conventions et de les oublier immédiatement. Ils ont signé beaucoup de conventions avec le M23, ils en ont signé à Addis Abeba, à Nairobi, il y en a qui ont été signés ici, à Kampala, beaucoup d'accords, mais rien n'a été mis en œuvre.
Alors, là, il s'agit de répéter. Alors, nous avons la volonté, mais cela ne devrait pas nous arrêter de nous préparer, parce que nous ne savons pas ce que les autres préparent, pour que le moment venu, nous puissions, n'est-ce pas, protéger la sécurité de notre pays et l'intégrité de notre pays. Quand nous parlons de l'intégrité de la République démocratique du Congo, en disant que donc, le territoire de la RDC ne devrait pas être violé, c'est comme si c'était le seul pays et dont l'intégrité doit être gardée. Si vous voulez garder l'intégrité de votre pays, vous devez aussi protéger l'intégrité des autres. Alors, voilà, il y a aussi l'inviolabilité du territoire rwandais a aussi de la valeur. Nous voulons que cela soit respecté par tous. Et nous sommes préparés à œuvrer pour cela, pour que cela soit fait. Alors, je voudrais m'arrêter ici, Madame la Présidente de la Chambre des députés. Alors, je vais peut-être donner d'autres explications pour les questions qui seront posées. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour votre exposé des faits, donc en nous disant comment l'état des relations entre le Rwanda et les autres pays de la région. Vous nous avez dit que, en général, les relations sont dans un bon état, à part avec la RDC. Vous nous avez donné d'amples explications par rapport à ce qui se passe. Vous nous avez parlé de l'origine du problème entre la RDC et le Rwanda. Nous vous remercions, Monsieur le Ministre, pour nous avoir exposé ce que le Rwanda fait pour protéger l'intégrité du Rwanda et aussi pour le retour de la paix dans la région. Alors, nous voyons une liste de députés qui voudraient intervenir. Je vois, il y a 17 députés qui voudraient intervenir. Alors, 18, il y a député Nizeyimana, Barikana, Mukajore, Nezimana, Hindura, député Mussolini, et député Mukabalisa, député Ruakana, Ruabjuma, Murekatete, Ruaka, Begumisa, Mukamana Elisabeth, Tengera, vice-président, Harerimana Moussa Fazil, député Mutesi, député Nizeyimana. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie le ministre pour son exposé. Comme vous l'avez dit, il existe les FDLR en RDC, donc constitués de ceux-là qui ont perpétré le génocide contre les Tutsis en 1994, dont l'objectif est de persécuter les Tutsis, les Tutsis partout où ils seraient. Alors, les FDLR travaillent avec les FRDC, donc les FDLR travaillent de concert avec les FRDC, et même que les FDLR organisent même des taxes donc, sur certains territoires. Alors, comme le ministre l'a dit, les Tutsis et surtout les Rwandais, les Congolais d'expression rwandaise ont été persécutés. Alors, les politiciens donc, de la RDC, la société civile, donc en RDC, même au niveau du Parlement, les députés ont récemment hué un député parce qu'il était Tutsi et qu'il était d'expression rwandaise, et même le président du Parlement n'a rien fait. Alors, la haine et donc des FDLR donc a poussé les FDLR à tuer les Tutsis parce que à cause de on les a tués, on les a brûlés, bon, on les a déshabillés, donc beaucoup d'actes ont été faits pour dont ils ont commis des actes innommables. Alors, Madame la Présidente, je voudrais poser des questions par rapport à ce que le ministre vient de nous présenter. Pourquoi est-ce que la communauté internationale reste silencieuse sur les persécutions
des populations en RDC, alors qu'il y a un génocide qui s'annonce. Pourquoi est-ce que le Rwanda, quand il parle de ce qui se passe, des persécutions contre les rwandophones, qu'est-ce que le Rwanda fait pour montrer qu'est-ce que le Rwanda fait pour que le Congo puisse être averti ou bien pour que des sanctions soient prises contre la RDC et l'FDLR? Qu'est-ce qui est fait pour arrêter les tueries des Tutsis en RDC? Madame la Présidente, les provocations de la RDC et des FDLR, notamment les bombardements à Kinigi, la violation de l'espace aérien du Rwanda et beaucoup d'actes de... est-ce que nous allons continuer à attendre? Est-ce que nous allons attendre qu'ils continuent à faire ce qu'ils font pour nous provoquer? Le Congo vient de chasser notre ambassadeur. Qu'est-ce que nous allons faire au niveau diplomatique? Nous avons beaucoup de réfugiés congolais ici au Rwanda. Est-ce que le Congo discute avec la RDC sur comment rapatrier ces réfugiés? Qu'est-ce qui doit être fait pour que... Qu'est-ce qui doit être fait pour que certaines parties qui appartenaient au Rwanda avant la colonisation puissent être ramenées dans notre pays? Merci beaucoup, député Balikana. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais remercier le ministre pour ces explications détaillées. Je voudrais aussi remercier notre gouvernement pour tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui et pour la retenue de notre gouvernement dans ces problèmes. Madame la Présidente, dans les réunions que nous avons au niveau de la CIRGL, souvent, nos collègues députés de la RDC disent toujours que c'est le Rwanda qui a attaqué la RDC. Cependant, les explications nous présentées par le ministre, les différents accords qui ont été signés avec différents accords qui ont été signés, eh bien, personne n'en parle. Dans ces réunions où nous nous rencontrons avec nos collègues, nous essayons de discuter, d'expliquer sur base de ces accords qui ont été signés avec les différents médiateurs. Mais ils ne veulent pas comprendre. Et la question est de savoir pourquoi ils ne veulent pas comprendre. Alors, ma question, je crois que le ministre nous a dit, mais souvent... Le problème entre la RDC et le M23, chaque fois, ils veulent, n'est-ce pas, dire que c'est un problème du Rwanda. Le ministre nous a parlé de... Je voudrais demander quelle est l'origine. Bon, parce que je crois que le ministre en a parlé, donc ils ont fait... Vous savez, ils ont discuté, ils ont expliqué, mais le gouvernement de la RDC ne veut pas comprendre. Et pourtant, ce sont des choses qui sont là. C'est une réalité qui est là. Alors, je voudrais savoir pourquoi ils ne veulent pas accepter ces Tutsis, mais qu'ils veulent les envoyer au Rwanda. Pourquoi? Merci, Madame la Présidente, pour la parole. Merci beaucoup, député Mukai Joly. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Pour la parole, je voudrais remercier le ministre pour l'exposé qu'il nous a présenté. Et Madame la Présidente, je voudrais d'abord remercier notre pays dans sa retenue vis-à-vis de ces provocations de la RDC. Et encore une fois, je voudrais remercier nos forces de défense qui ont tiré sur cet avion qui avait violé l'espace aérien du Rwanda. Parce que cela avait déjà été fait deux fois et ce n'est pas normal. Alors, j'ai une question. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, alors, ces meurtres perpétrés contre les
les Tutsis congolais. Je me demande si en 1948, après la Deuxième Guerre mondiale, les Nations Unies ont signé un traité et ont pris un engagement de signer cette convention contre le génocide, qu'il n'y aurait plus de génocide. Alors, plus jamais n'a jamais été respecté dans notre pays en 1994. Le génocide a été perpétré contre les Tutsis et plus d'un million de Tutsis ont été tués. Alors, je me rends compte que c'est plutôt une continuité en RDC où les Tutsis sont tués au jour le jour. Le ministre l'a si bien dit, ils sont tués et au-delà de ce que les gens disent aujourd'hui. Alors, je me demande, les pays de la sous-région, nous savons que la RDC est membre aussi de la RDC, qu'est-ce que la région fait? Est-ce que nous allons continuer à regarder sans rien faire? Alors, et qu'est-ce qu'il en est du Conseil de sécurité des Nations Unies? Ne pensez-vous pas qu'on devrait, n'est-ce pas, le dire haut et fort pour que, n'est-ce pas, tous ces actes de génocide soient arrêtés? Le ministre nous a parlé des accords qui ont été signés. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour que ces citoyens donc, puissent bénéficier de leur sécurité? Alors, si le gouvernement doit lutter contre le M23, qu'il le fasse, mais qu'il puisse assurer la sécurité des citoyens, des civils. Alors, monsieur le ministre, qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce que nous devons faire au-delà de ce qui a été fait jusqu'à ce jour? Merci, Madame la Présidente. Député Nézana. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour la parole. Je remercie le ministre pour nous avoir présenté l'état des relations entre le Rwanda et le Burundi, entre le Rwanda et l'Ouganda. Et nous aimerions voir donc ces relations continuer à s'améliorer. Pour la question du Congo, je me pose une question. Je crois que le ministre en a un peu touché un mot. Alors, quand on regarde la situation actuelle, c'est que les forces du M23 sont venues de l'Ouganda et non du Rwanda. Alors, je me demande pourquoi les allégations, ou la plupart des allégations, pointent le doigt vers le Rwanda. Alors, je me demande pourquoi, donc, c'est le Rwanda qui est indexé. Et vous nous avez dit que nous avons des réfugiés ici au Rwanda. Mais pourquoi est-ce que le Congo, n'est-ce pas, vise le Rwanda plutôt que l'Ouganda? Et puis de deux, lorsqu'il y a eu un découpage des frontières dans la région, je ne crois pas que c'est le Congo qui... Je ne pense pas que ce soit le Congo seul qui a été victime. Je crois que même dans d'autres pays de la région, donc, ils ont été victimes. Et les Rwandais qui se sont retrouvés de l'autre côté des frontières sont devenus des citoyens de ces autres pays, et tel devrait être le cas pour la RDC. Alors, pourquoi est-ce que la RDC n'emboîte pas le pas aux autres pays? Et autre chose, dans vos discussions, avez-vous donné ce genre d'exemple? Parce que nous avons ces exemples. Nous avons même des citoyens d'autres pays qui portent nos noms et qui sont même appelés des Banyarwanda. Voilà. Alors, si cela n'a pas été fait, peut-être que vous pouvez utiliser cela pour que les rwandophones qui sont dans ce pays puissent bénéficier de la citoyenneté comme tel est le cas dans d'autres pays, notamment en Ouganda, en Tanzanie et ailleurs. Troisièmement, concernant l'avion de chasse Sukhoi 25, qui sur lequel on a tiré, c'est un
avion qui a violé l'espace aérien du Rwanda. Alors, les représentants de l'État congolais ont dit sur la BBC que c'était normal de violer l'espace aérien rwandais. Je me demande s'il y a eu des accords signés avec la RDC leur permettant de violer l'espace aérien rwandais. Alors, puisqu'ils ont dit qu'ils vont se venger bientôt, qu'est-ce que vous prévoyez en retour? Parce qu'ils ont déjà dit qu'ils vont se venger. Bonne idée, député Hindoura. Mon accord est d'accord, speaker comme Jambo, Nadine Shima. Député Hindoura, merci, madame la présidente. Merci, monsieur le ministre, de ce point. Est-ce que c'est bien connu que le FDLR contient des génocidaires, de vrais génocidaires? C'est connu. Alors comment se fait-il que la RDC soutienne des génocidaires? Et depuis toutes ces années, pourquoi est-ce qu'on leur permet de continuer de travailler au Rwanda, au Congo, je veux dire? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas éradiqué ces forces génocidaires? Deuxième question. La question du FDLR, le président congolais a déclaré qu'il voulait aider les Rwandais à attaquer Kigali et renverser le pouvoir. C'était le FDLR qu'il voulait soutenir. Ça, je ne comprends pas. Pourquoi l'ONU ne réagit pas à ces choses? Vous avez un chef d'État qui veut travailler avec des terroristes pour renforcer un gouvernement voisin. On ne fait rien, on ne dit rien. Troisième point. Le RDC a 9 voisins. Partout, il y a des citoyens qui parlent la même langue d'une part et d'autre de la frontière, que ce soit au Rwanda ou à d'autres frontières. Comment se fait-il que ce soit seulement les rwandophones qui soient visés? Parce que les 8 autres pays, vous avez des gens qui, d'un côté ou de l'autre de la frontière. Et d'ailleurs, vous demandez à quelqu'un, d'où vient ton père, tes ancêtres? Alors, il dit, c'est la troisième génération, déjà, le parent vient de... L'ancêtre vient de quelque part ailleurs. C'est courant. Alors, je ne sais pas comment on peut expliquer cette haine. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui parlent Kinyarwanda sans être rwandais. Il y a des francophones qui ne sont pas français, des anglophones qui ne sont pas des britanniques. J'explique tout cela pour que l'on puisse bien comprendre ces questions et voir quelle est la diplomatie parlementaire qu'on pourrait faire jouer afin que nous aussi, parlementaires, nous ayons un rôle. Dernier point. Alors, tout le monde dit qu'on est de l'M23. Moi, je pense que dans ce cas, puisque la Première et la Deuxième République ont... c'est eux qui ont lancé la haine des Rwandais. Parce que les gens qui étaient au Rwanda, ils étaient respectés. Moi, j'ai une note ici, un billet de 41. Il y avait des Intore qui dansaient. On a pris une photo et on les a mis sur un billet de banque. C'est-à-dire les Rwandais, rwandophones, gens de culture rwandaise étaient respectés à cette époque-là, en 1941. Qu'est-ce qui s'est passé après, depuis, pour que cette haine ait été cultivée et se soit installée? Alors, il faudrait qu'on agisse en conséquence. Merci. Député Mussolini. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères.
de la coopération internationale de ce point de la situation. Alors, je voulais dire que les Rwandais, l'armée rwandaise, ainsi que les populations qui sont à la frontière, les populations frontalières ont été rassurées. On leur a dit qu'ils ne risquent rien. Vous savez, le 5 novembre 1994, 19 pays européens, plus l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, se sont installés en 1919 pour se partager l'Afrique. Et par la suite, ils ont établi des frontières arbitraires comme ça. C'était en 1910 plutôt. Et donc, on a tracé les frontières, et puis ces frontières-là qui persistent. Mais entre le Rwanda et le Nord Kivu, le problème dépend de ces découle de cette histoire. Et malheureusement, le président Kagame a beaucoup de difficultés à expliquer ce problème. Parce que il est très humain, tout en étant courageux, mais il est très humain. Donc il continue de montrer de l'humanité. Mais ça, c'est un génocide. Les Nations Unies ne bougent pas. C'est la continuation du génocide. Vous savez, les citoyens congolais, de des Tutsis, on les chasse comme des animaux. Le lendemain, on se lève, on dit, tiens, si vous aviez des chèvres, on dit, tiens, je vais tuer cette chèvre, égorger cette chèvre pour que je la mange. Mais là, tout ceci se fait sous l'œil de la MONUSCO. Ils sont là. Ils observent tout cela, ils constatent. Et sous l'œil également du Congo. Le président de la RDC dit, ah, mais ça, c'est des Rwandais, donc à rentrer chez eux. Alors, monsieur le ministre, vous avez parlé de tous ces accords qui demandent M23, qui demandent la paix. Mais il y a maintenant des appels où il est dit que ces gens doivent rentrer chez eux. Mais comment vont-ils rentrer chez eux? Parce que le FDLR n'est pas des réfugiés. Ce n'est pas comme les réfugiés comme nous en avons ici. Ils ne sont pas. Les réfugiés sont déjà rentrés. Et ceux qui restent, ce sont des terroristes. Et ce sont des génocidaires et qui continuent de perpétrer cette situation de génocide. Et c'est comme ça qu'on continue de pourchasser les Tutsis. Madame la Présidente, merci. Je pense que le gouvernement a fait montre de retenue et de présence. Il y a deux jours, l'organe de prévention du génocide a fait une déclaration par son leader, mais qui s'est préoccupé du génocide dans l'Ituri contre le HEMA. On a découvert qu'il y avait des fosses communes, que les gens meurent, sont tués tous les jours, et que le gouvernement congolais ne fait rien pour sauver ces populations HEMA.
et la déclaration est que on craint que le génocide de toutes les Tutsis ne continue de se perpétuer au Hema. Mais là, on n'a pas parlé de rondophones, de Tutsis du Congo. On a seulement parlé des Hema. Alors que c'est évident qu'ils subissent un génocide. Ils subissent un génocide. Nous le savons tous. La communauté internationale le sait, y compris ceux qui sont sur le terrain. Mais l'organe des Nations Unies qui s'occupe de la prévention du génocide ne dit rien sur cet outil rwandophone, je veux dire. Donc, plus jamais ça, ce n'est que de la parole, parlotte. On n'en parle pas, on s'en fiche. Alors, comment? Alors, il ne reste plus que nous, puisque nous avons à agir. Et nous avons à dire ce que les Nations Unies ne disent pas. Donc, je pense que nous, en tant que députés, nous agissions, nous fassions une déclaration. Mais j'ai quand même une question, Monsieur le ministre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi les Nations Unies et cet organe de prévention du génocide n'agit pas? Pourquoi ils se comportent comme ça? Ils parlent des HEMA, c'est vrai, bien sûr, c'est affreux. Il faut en parler. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des rwandophones? Ils ont même parlé de Codeco, ils n'ont pas parlé de génocidaires, ils n'ont pas parlé. Alors que c'est très connu. Alors comment se fait-il que les Nations Unies aient changé apparemment fusil d'épaule? Merci. Merci, député Mongaïre. Merci, madame. Je vous remercie, monsieur le ministre, de ce point de la situation qu'ils viennent de nous faire, de nous montrer également quels sont les tenants et les aboutissants de cette question, des efforts qui ont été faits pour que nous puissions nous entendre avec les pays voisins, sauf ce problème de la RDC. Mais alors, pour la RDC, moi je me pose encore quand même la question. Pourquoi est-ce que le Congo ne veut pas faire face à ses propres problèmes? D'abord, ces groupes armés, il paraît qu'il y en a plus de 130. Il y a des étrangers installés sur le sol congolais qui, avec des ressortissants congolais, agissent en toute impunité. Et alors, pourquoi est-ce que ce pays ne reconnaît pas ce problème? N'en parle pas pour qu'on puisse l'aider. Deuxièmement, la RDC a un problème aussi de réfugiés. Nous avons des réfugiés au Rwanda, dans d'autres pays également. Pourquoi est-ce que le Congo ne voit pas que ses citoyens congolais doivent être rentrés chez eux et vivre en paix avec leurs voisins? Comment se fait-il qu'ils ne se posent pas cette question? Troisième question, le génocide. Le génocide se commet tous les jours. On tue jeunes et vieux. Moi-même, je vois ce qui se passe. Le génocide est commis en plein jour. Des discours de haine exactement comme Bagosora, Léo Mugesera. D'ailleurs, ça n'est pas surprenant. Et ce sont les mêmes qui ont quitté le Rwanda, qui sont allés là-bas, et ont continué le génocide. Alors, on massacre les bébés, on viole les femmes, les filles et les femmes, on massacre tous les innocents. Alors, c'est évident que si on travaille avec le FDLR,
On ne peut pas résoudre le problème du Congo en travaillant avec ces génocidaires. Je me pose également la question, donc je me pose cette question, comment se fait-il que le Congo refuse de faire face à ces problèmes? Deuxième point, ces provocations. Bon, c'est des choses qui arrivent dans le monde, c'est vrai. Les pays voisins qui ne s'entendent pas se provoquent. Mais en général, ils finissent par s'entendre. On a des accords et on s'entend. Mais le problème, c'est que nous avons des accords avec le Congo et ils ne sont pas appliqués. Et donc, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Et ils ne cherchent pas à résoudre le problème, ils cherchent plutôt des boucs émissaires. Les boucs émissaires, ça ne résout pas votre problème. La provocation non plus. Là, ils ont attaqué, le ministre l'a dit, ils ont tué des gens dans le Kinigi parce qu'ils coopèrent avec le FDLR. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi ils ne prennent pas les mesures évidentes qui sont de mettre en accord, mettre en pratique les accords. Merci, député Lukana. Merci, monsieur le ministre, de ce point de la situation. J'ai une question. Mes collègues en ont posé de bonnes. Je m'associe à ces questions puisque nous savons que tous ces problèmes naissent des Interahamwe et de l'État génocidaire qui s'est enfui au Congo avec leurs armes et qui ont continué à préparer ce génocide ou plutôt à préparer à revenir à finir le génocide. Il y a eu beaucoup d'attaques entre-temps depuis et surtout depuis 2020. Alors, je me pose encore la question de savoir que fait les Nations Unies. 1999, déjà, il y avait une résolution. Ensuite, il a été créé la MONUC, MONUSCO. Et ensuite, Rwanda ndetse n'ibitwitwaje intwaro isubira iwabo isubiza intwaro hasi bikananirana bikagenda kugera ubwo. Et ensuite il y a une résolution du Conseil de sécurité de 2010. La MONUC est devenue la MONUSCO. Et ses forces ont été augmentées, ils sont maintenant à 19 000. Mais vous voyez bien les problèmes et on voit en fait qu'ils penchent plutôt du côté du Congo et qu'ils ne font rien par rapport à ces forces armées qui veulent troubler notre paix. Alors, je me demande pourquoi ce mandat a été prorogé, hein, et quel est l'intérêt du Conseil de sécurité des Nations Unies de ne pas traiter ce problème. Il y a également la CPGL qui semble aussi toujours pencher du côté congolais. Il y a même des forces conjointes et on ne voit rien, on ne voit aucune déclaration, on ne voit aucun communiqué, tous sont sourds. Et muet. Un autre point, madame, est-ce que nous ne pouvons pas, en tant que députés,
faire une déclaration. Vous vous souvenez? La dernière fois, il y a un député congolais qui a attaqué le Rwanda. Ça a été publié partout. Bien sûr, certains d'entre nous ont répondu, mais on voit bien que les médias sont décidés à dire du mal de nous, à salir le nom de notre pays. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je voulais vous assurer que je n'ai pas de questions à vous poser parce que je sais que vous êtes aussi frustrés que nous. Nous nous posons des questions auxquelles nous avons des réponses. On veut savoir ce que pense Tshisekedi. Eh bien, même si vous le saviez, à quoi ça sert? Parce que monsieur le ministre n'a pas de remède à ces mots. Alors, posez-nous la question. Pourquoi les gens disent ces choses? Pourquoi la communauté internationale ment-elle? Donc, la seule solution, c'est de continuer à dire notre vérité jusqu'à ce qu'on nous entende. Parce qu'on ne va pas se poser la question. C'est pas qu'ils ne savent pas. Ah, pourquoi ils ne font pas des déclarations? Ah, pourquoi ils ne remarquent pas ceci? Pourquoi ils ne disent pas? Mais ils ne diront rien. Ils ne diront rien. C'est à nous de dire. Alors, mesdames, messieurs, je voudrais encourager notre pays à faire face à la situation. Ne pas s'habituer à ce que l'on tue les Tutsis ailleurs. Ne pas s'y habituer. La Convention de Genève, les signataires ont déclaré que chaque pays qui constatera qu'il y a des tueries de type génocidaire vont venir, il faut aller soutenir ces populations persécutées. Mais qui a soutenu les Tutsis persécutés du Congo alors qu'ils ont signé? Personne ne dit on a violé les accords. Personne. Alors, si c'est nécessaire, on va sortir de ces accords. Et on va aller secourir les Tutsis. Ce qu'on a signé, nous avons l'obligation d'aller au secours des populations persécutées. On en a le devoir. Donc, quand même, il ne faut pas exagérer. Nous ne sommes pas un pays puissant ni riche, mais nous avons quand même les moyens. Par exemple, les avions congolais viennent nous provoquer. Pour nous provoquer, simplement. Eh bien, si on sévit, eh bien, ils vont faire attention. Et il y a les Wagner. Ce sont les mercenaires. Alors, les Wagner viennent et personne ne dit rien. Ils sont au Congo, apparemment, ils sont venus lutter contre le Rwanda. Et on ne dit rien. Alors, on va attendre jusqu'à quand? Enfin, mais et puis aussi, il faut quand même que vous agissiez. Vous avez des tweets. Allez sur Twitter, dites quelque chose. Pourquoi tout le monde, chacun d'entre nous, avant de venir au travail, tweetez quelque chose. Ne leur laissez pas le champ libre. Merci, merci, monsieur. Merci, madame la présidente. Merci, monsieur le ministre. Je pense que il y a des questions qu'il faut approfondir. Muri aka karere ibihugu byo muri aka karere muri rusange byagize umuhate wo kugira ngo iki kibazo gikemuke akarere kabigizemo uruhare ariko amahanga yakura akabyivangamo. Alors
Il a parlé. De cette question, il a donné l'historique à partir du découpage de l'Afrique, comment les Rwandais ont vu leur terre coupée du Rwanda pour être collée au Congo. Et mais bien sûr, entre-temps, ils sont devenus des Congolais, mais on ne les protège pas. Ces pays, la communauté internationale font exprès d'ignorer ce problème. Le Congo a été colonisé par les Belges, ainsi que le Rwanda, ceux qui ont posé ces frontières. Ils sont au courant. Les Français savent. Ils ont soutenu le gouvernement génocidaire. Ils sont protégés, les ont protégés dans la zone turquoise. Les ont accompagnés jusqu'au Congo. Et ils les ont protégés. Ils ont continué à travailler contre le Rwanda. Alors, bon, tout le monde le sait. Et mais au contraire, ils pointent le Rwanda. Rwanda n'a aucun rôle. Par conséquent, ce problème ne peut pas se résoudre de cette manière-là. Tous ces efforts que font les pays voisins, les accords et tout ça ne sera jamais signé, et puisque personne ne veut pointer du doigt les Congolais. Personne ne veut rappeler les responsabilités congolaises. Et donc... je pense que le Parlement devrait agir. On va mettre sur pied, je propose une commission spéciale qui s'occupe de cette affaire pour que ce problème soit expliqué correctement, qu'il y ait des déclarations, mais qu'on sache comment s'y prendre. Merci beaucoup. Député Murekatete, merci beaucoup, Madame la Présidente, pour la parole. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier les autorités de notre pays pour leur comportement. Et je voudrais remercier aussi le ministre pour les explications. Je ne vais pas retracer l'historique qui nous a été donné par le ministre, mais je voudrais soutenir... appuyer donc l'idée de l'honorable Bugingo qu'on puisse avoir une commission. Madame la Présidente, je pense que cela pourrait nous aider à bien analyser ce problème dans le cadre du Parlement. Et comme le ministre avait posé la question, que peut faire le Parlement? Alors, je crois qu'il nous a posé cette question. Alors, nous avons besoin de voir comment expliquer à d'autres parlements des pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Est afin de leur montrer le vrai problème, parce que des personnes sont tuées tous les jours, et le ministre en a parlé, ils sont venus à Kinigi, ils ont bombardé à Kinigi, des gens sont morts. Alors, Madame la Présidente, je crois que dans le cadre de la diplomatie parlementaire, nous avons besoin de voir les autres parlements de la région et pour que tout le monde puisse avoir, n'est-ce pas, la même compréhension du problème que la nôtre. Député Louaka, merci beaucoup, Madame la Présidente, pour la parole.
Je voudrais remercier le ministre pour sa présentation du problème de l'état des relations entre le pays et la région. Alors, je voudrais plutôt parler de la communauté internationale. La communauté internationale. Et je voudrais préciser les pays que je vise. Il y en a qui font semblant alors qu'ils sont vraiment les auteurs ou qui sont à l'origine de ce problème. Donc, la Belgique d'abord. Donc, le Congo belge était donc une propriété du roi des Belges. C'est pour ça qu'on l'appelait le Congo belge. Il y avait le Congo belge et le Rwanda-Urundi. Donc, c'est eux qui sont à l'origine. Ils sont donc à l'origine du découpage des frontières et ils savent où se trouvaient les premières frontières et ils savent comment ces gens se sont retrouvés dans ces frontières. Même les Congolais le savent. Alors, ce n'est pas qu'ils sont ignorants, mais ils le font exprès. Alors, la communauté internationale qui est inactive, donc les gens sont tués. Et, donc, voilà, je crois que c'est eux qui sont à l'origine du problème. Alors, c'est à eux, n'est-ce pas, de... La communauté internationale, donc, n'est pas responsable. Alors, je voudrais demander au ministre, est-ce que la communauté internationale ne peut pas rendre compte, puisque cette communauté internationale est à l'origine du problème? Autre chose, les conventions internationales prévoient que les réfugiés ne doivent pas résider tout près des frontières du pays qu'ils ont fui. Alors, voyez, les réfugiés ont été positionnés donc tout près de la frontière entre le Rwanda et la RDC. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont positionné ces réfugiés là-bas? Parce que nous avons des réfugiés du Congo qui sont à Kire, d'autres donc ailleurs. Alors, voilà, pourquoi? Je voudrais poser la question du pourquoi de ces conventions. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas respecter. Alors quand ils disent que le M23 est constitué de Tutsis, de Rwandais qui doivent retourner au Rwanda, alors maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent dire effectivement? Qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que les provocations de la RDC, bon, j'ai entendu un Congolais une fois disant en français, il disait que le Rwanda s'enorgueillit d'avoir réalisé ceci ou cela, mais il disait que entre le Rwanda et la RDC, il n'y a pas match, donc il n'y a pas de comparaison, que le choix est clair, que donc la communauté internationale devrait aider la RDC. Donc voilà. C'est la RDC qui le dit. Voilà, la RDC pense qu'il y a la communauté internationale qui se tient silencieuse vis-à-vis de ce problème alors qu'ils sont à l'origine. Alors voilà. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la communauté internationale. La France a armé les FDLR. Alors c'est la France qui a laissé des armes aux FDLR. Alors, voilà, moi, j'ai un problème avec la communauté internationale, Madame la Présidente. Député Begoumissa, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais remercier le ministre et les autorités de notre pays. Et nous voudrions remercier aussi les forces de défense du Rwanda qui protègent les frontières et qui gardent la sécurité de notre pays. Alors, ici... Je voudrais remercier les forces de sécurité de notre pays. Alors, je voudrais d'abord revenir sur ce que les autres ont dit. Qu'est-ce que le Parlement doit faire après l'exposé du ministre? Alors, ce que je crois que nous pouvons faire beaucoup de choses. D'abord, la dignité des Rwandais. Monsieur le Président, Madame la Présidente, les forces de défense ne manquent pas de pouvoir. Alors, nous allons continuer avec la diplomatie parlementaire, mais Madame la Présidente, je voudrais demander, alors, quel est le
il y a eu plusieurs accords signés, que ce soit les accords de Nairobi, de Luanda. Alors la RDC, bon, je crois que la RDC a signé aussi ces accords-là, même si la RDC se retire. Alors, je pense que l'on doit demander à la RDC de rendre compte par rapport à ce qu'il a signé. Alors, la RDC a signé, par exemple, donc vous voyez, il y a la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Voilà, la RDC a signé et est devenue membre. Pourquoi est-ce que la CEAC, la CEA, la communauté des États de l'Afrique de l'Est ne demande pas à la RDC de rendre compte? Pourquoi donc des questions ne sont pas posées à la RDC? Alors, je crois qu'il faut expliciter le rôle de la RDC. Et enfin, Madame la Présidente, je voudrais me joindre à mes amis. Donc, nous devons dénoncer le génocide qui a lieu, qui a cours en RDC actuellement. Merci beaucoup. Mukamana Elisabeth. Merci. Madame la Présidente, je voudrais remercier la ministre pour cet exposé. Merci pour les explications données. Et je voudrais aussi remercier le Rwanda pour ses bonnes relations avec d'autres pays de l'Afrique de l'Est, à part la RDC, qui utilise le Rwanda comme... Alors, je me demande comment la RDC continue à crier et que d'autres pays soutiennent la RDC alors qu'ils sont dans le faux, sans dire quoi que ce soit concernant les FDLR. Alors, voilà donc, le Congo ne fait que faire semblant. Alors, à trois reprises, un avion de combat a violé l'espace aérien rwandais. Et cela est un acte de provocation que le gouvernement de la RDC continue à montrer. Alors, Madame la Présidente, voilà. Donc, je pense que nous avons besoin de mettre en place une commission, mais Monsieur le ministre, veuillez bien nous expliquer les solutions envisagées par le gouvernement. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez déjà fait. Mais alors, maintenant, qu'est-ce qui peut être fait de plus? Puisque beaucoup a déjà été fait, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Puisque la RDC continue à traîner les pieds et ne veut rien faire. Alors, vous allez nous dire ce que le gouvernement du Rwanda fait pour résoudre ce problème. Vous nous avez aussi dit que la RDC continue à donner des informations. Qu'est-ce que le gouvernement est prêt à faire pour montrer la vérité de ce qui se passe? Voilà. Merci, Madame la Présidente. Merci, le vice-président Adelimana Fazil. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais remercier le ministre Biluta pour ses explications qu'il a partagées avec nous. Je voudrais aussi remercier les autorités de notre pays pour la retenue dans ce problème occasionné par un mauvais voisin. Je voudrais aussi remercier les forces de défense du Rwanda, RDF. Je me souviens quand j'étais petit, lorsque l'on nous apprenait l'héroïsme et la patience, et on nous disait, voilà, on nous montrait donc les différentes... Voilà, donc je pense que, voilà, même si... l'ennemi a exagéré
Voilà, je vois que nos forces de sécurité ont tiré sur cet avion. Bon, ça c'est bien, mais j'aurais bien voulu que cela, qu'il fasse plus. Voilà. Alors, ce que... Voilà, il y a deux aspects au problème. Voilà, le ministre nous a expliqué. Mais je soutiens aussi que nous puissions avoir une commission de parlementaires. Parce que, alors qu'il y avait un génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, il y avait aussi une armée du Congo qui travaillait de concert avec l'armée qui commettait le génocide ici au Rwanda. Alors, nous allons mener une analyse pour voir s'il n'y en a pas qui ont continué à commettre le génocide avec l'appui de leur gouvernement. Alors, voilà. Le ministre nous a parlé du gouverneur appelé Chimimana, qui, Gavana qui avait attaqué Kinigi. Donc, il vient d'être tué à Bwiza. Il y a le lieutenant-colonel Ugaravu qui a été tué dans la forêt de Nyamulagira. Alors, il y a aussi le major Futai qui vient d'être tué à Jomba. Il y en a beaucoup. Alors, vous savez, quand les officiers meurent, il y a aussi des membres de leurs troupes qui meurent avec eux. Alors, le M23 a montré aussi un groupe de pasteurs Nyonzima. Alors, maintenant, que fait le Congo quand il apprend ces informations-là? Alors, dans vos réunions, monsieur le ministre, dites-nous si la RDC, qu'est-ce que dit la RDC par rapport à ces informations de tous ces assassins qui sont tués sur, n'est-ce pas, dans les villes. Merci beaucoup, honorable député, pour vos questions et commentaires. Alors, je voudrais demander au ministre de répondre aux questions et de réagir, n'est-ce pas, par rapport à vos différents commentaires. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais remercier tous les députés qui sont intervenus. Ils ont plus donné des contributions. J'imagine donc que plus ou moins, nous comprenons tous ce problème. Alors, nous devons donc travailler ensemble pour résoudre ce problème. Alors, je vais donc parler de façon générale parce que pratiquement tous les députés ont dit plus ou moins des choses similaires. Alors là, voilà. Je crois que nous... Maintenant, concernant la FDLR, les FDLR et les FARDC, donc travaillent généralement ensemble. Et cela n'est un secret pour personne. Parce que après la signature des accords de Luanda, au 23 novembre 2022, au lieu que la RDC se prépare à mettre en œuvre ou à mettre en œuvre donc ces accords, ils ont plutôt peaufiné ou harmonisé leur travail avec les FDLR. Alors, nous le savons très bien. Mais il y a même un député qui a demandé où est le rôle des Nations Unies. Ben, les Nations Unies se trouvent là, et massivement. Imaginez une force de 20 000 personnes. Vous savez, le travail donc des FDLR et des FARDC, ce n'est un secret pour personne. Tout le monde le sait, ils savent comment ils travaillent ensemble. Ils savent qui participe à ces réunions de travail ensemble, voilà. Mais je crois que, ils n'ont pas accordé beaucoup d'importance à cela.
Je crois que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de faire des rapports, mais ils ont mis la chose de côté. Et pourtant, l'un des aspects les plus importants de leur mandat, c'est de lutter contre les groupes armés. Alors, je vous ai dit qu'il y a eu une force, une brigade d'intervention qui a défait le M23 en 2013. Et cela fait 10 ans aujourd'hui. Depuis donc la défaite du M23, il y a 10 ans, on n'a plus entendu parler d'un autre groupe armé que cette brigade allait combattre. Et pourtant, donc, cette brigade avait été instituée pour lutter contre les groupes armés. Voilà, tout cela est connu. Et les discours de haine sont bien connus, les discours de haine de la part de la société civile, des responsables du gouvernement, de la population, voilà, tout le monde le voit. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, je voudrais l'honorable Mukabalisa a parlé du communiqué de ce fonctionnaire des Nations Unies par rapport à la lutte contre le génocide. Alors, cet organe a parlé d'un génocide perpétré contre les Hema. C'était le deuxième communiqué. Le premier communiqué a été sorti le 30 novembre 2022. Et ce communiqué parlait, des actes de génocide contre les Tutsis. Les Tutsis congolais. Alors, ce que les Nations Unies peuvent faire, il y a d'abord le Conseil des Nations Unies en charge de la lutte contre le génocide. Il a déjà publié deux communiqués. Alors, maintenant le problème, puisqu'il publie des rapports, alors, qu'en est-il de ceux à qui ces rapports sont adressés? Alors, bon, voilà, donc, c'est ce que les Nations Unies font jusque-là. Alors, je crois que nous devons faire le suivi, parce que nous savons qu'il y a des rapports qui sont rédigés, qui sont publiés aussi. Alors, la communauté internationale reste silencieuse sur tous ces massacres. Alors, aujourd'hui, on est là, mais demain, vous pouvez entendre parler d'un communiqué concernant, n'est-ce pas, cet avion qui avait violé l'espace aérien rwandais, qui a été donc sur lequel on a tiré. Eh bien, les Nations Unies pourraient aujourd'hui faire un communiqué sur ça. Voilà. Alors, maintenant, quand ils voient un tel incident, est-ce que c'est le premier incident? Alors, je pense qu'ici, le Parlement, avec d'autres organes de l'État, donc, pour nous, nous ne devons pas rester quoi? Alors, nous devons d'abord parler. C'est pour ça que nous sommes là pour en discuter. Alors, le Parlement a un rôle dans le cadre de son mandat, pourrait dire quelque chose concernant ces meurtres, ces massacres. Le Rwanda fait beaucoup de choses. Nous pouvons lancer un cri d'alerte, nous pouvons lancer une alerte par rapport à ces tueries, à ces massacres de population, pour que des pays qui peuvent intervenir puissent intervenir. Vous savez, le Rwanda, c'est le seul pratiquement qui intervient, qui lance une alerte concernant l'expulsion de notre ambassadeur. Bon, qu'est-ce que nous en disons? Bon, vous savez, si un pays ne veut pas de votre voisinage, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, peut-être qu'un jour, ce gouvernement ou alors un autre gouvernement qui viendra pourra changer d'avis. Alors,
de notre côté, nous sommes prêts. Alors, vous savez, les relations entre pays sont toujours basées sur des principes et des valeurs qui les guident. Alors, si un pays décide de se lancer dans de tels actes que nous voyons, alors, ce n'est pas nous qui avons pris la décision de rappeler notre ambassadeur. Voilà. Lorsque ils vont changer d'avis, bon, évidemment, nous sommes prêts. Bon, ils ont expulsé notre ambassadeur et nous ne pouvons pas le ramener là-bas de force. Alors, le moment venu, bon, on verra bien. Alors, je crois que si l'Union africaine avait chargé le président angolais, le président Lourenço, donc d'user de médiation entre la RDC et le Rwanda. Alors, je crois que ces réunions vont continuer et nous espérons que ces problèmes seront résolus. Alors, ramener les partis qui appartenaient au Rwanda qui ont été qui se retrouvent en RDC. Bon, vous savez, tous les pays de l'Afrique ont accepté ces frontières héritées de la colonisation. Bon, ce qui est important sont les droits des personnes, des populations. Le plus important, ce n'est pas de revenir, n'est-ce pas, aux frontières initiales. Alors, voilà, nous avons donc ces problèmes issus de la colonisation. Et donc, nous avons des populations qui sont persécutées à cause de ces frontières découpées à ce moment-là. Mais en parlant des colonisateurs, il ne s'agit pas seulement du problème des frontières. Il y a aussi le fait qu'ils sont venus dans nos pays, comme ici au Rwanda chez nous, ils ont institué des ethnies qui n'existaient pas. En fait, ils ont institué la division et il s'en est suivi la haine, ce qui a produit le génocide. Et cela, maintenant, est allé jusqu'en RDC avec l'idéologie du génocide. Voilà, cela est un problème. Mais sinon, il y a aussi des pays qui sont victimes d'un tel découpage de frontières, mais il ne s'en est pas suivi du génocide. Il ne s'en est pas suivi un génocide ou bien des idéologies de haine. Mais vous voyez, les colonisateurs ont semé la zizanie, la division entre les composantes de la population, et tout cela pour leurs propres intérêts. Voilà. Ce sont des problèmes. Bon. Ce n'est pas un problème donc des frontières. Donc, il y a d'autres pays qui ont été victimes d'un découpage subjectif des frontières, mais où on n'a pas ce genre de problème. Les accords signés par la RDC. Les députés ne veulent pas en entendre parler. Alors, bon, le problème du M23 donc, est toujours attaché au Rwanda. Voilà, c'est un problème d'idéologie. Ils ne veulent rien entendre. Mais entre eux, parmi eux, il y en a qui en parlent, mais ne savent même pas le contenu de ces accords dont nous parlons. Par exemple, le communiqué de Luanda, que j'ai régulièrement cité, c'est comme si le communiqué parlait du retrait du M23 seulement. Voilà. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. D'abord, ce n'est pas au FARDC de recouvrer ses positions. Il y a des troupes de la communauté des États de l'Afrique de l'Est qui devraient plutôt récupérer ses positions. Et puis, dans ce communiqué toujours, il y a la question des réfugiés, il y a la question des FDLR, il y a la question des négociations, des discussions politiques
pour le retour de la paix durable en RDC. Tout cela est contenu dans ce communiqué-là. Ce n'est pas seulement la question du M23. Et pourtant, les politiciens RD congolais le font exprès pour semer la confusion, donc pour semer la confusion pour la communauté internationale, la population congolaise. Donc voilà, tout le monde est trompé et par ces politiciens en disant voilà, le temps est arrivé, voilà, c'est vrai qu'il y a des dates pour tout ce qui est donc il y a des dates butoirs pour chaque aspect du communiqué. Alors pour le retrait du MV3 de certaines positions avait déjà commencé. Mais pour les autres aspects, pour les autres chapitres, eh bien, rien n'a commencé. Alors, cela est un problème. Que ce soit pour les députés de la RDC et d'autres responsables politiques, dont la plupart d'entre eux le font exprès. Il y en a qui le font exprès pour semer la confusion, pour tromper, pour que l'on ne sache pas ce qu'il faut faire. Alors voilà, il y a des choses qui doivent être faites. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'aspects dans ce communiqué qui doivent être mis en œuvre par le gouvernement de la RDC. En fait, c'est le gouvernement qui a beaucoup d'aspects à mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, la RDC donc doit faire certaines choses dans ce communiqué-là. Mais maintenant, le communiqué de le gouvernement de la RDC pose comme n'est-ce pas celui qui doit dire à qui doit faire quoi. Le gouvernement de la RDC est parti à cet accord, n'est pas le superviseur pour la mise en œuvre de l'accord. Et voilà, c'est ça. Voilà, apparemment même la communauté internationale semble soutenir cette position. En dénonçant le Rwanda, ainsi de suite. Concernant l'idéologie du génocide, c'est vrai que l'idéologie du génocide, vous savez où elle a commencé. Il y a même un député qui a rappelé que l'immixtion dans les problèmes du Rwanda a été commencée il y a longtemps en RDC. Vous savez, en 1990, le Congo avait envoyé des troupes pour lutter contre le FPR. En 1990, vous savez, il y a des gens qui disent que les troupes rwandaises sont allées en RDC en 1996. Non. Donc ça a commencé en fait en 1990, lorsque le Zaïre a envoyé des troupes au Rwanda pour soutenir les ex-FAR. Vous savez, tous ces problèmes avaient déjà commencé, l'idéologie donc avait déjà commencé. Alors, la racine du problème, je crois que l'honorable Alikana l'a demandé. Donc, c'est un problème de gouvernance en RDC. C'est un problème de gouvernance. L'idéologie du leadership actuel, un leadership qui ne se préoccupe pas des problèmes de la population. Vous savez, la RDC, c'est un grand pays. Alors, ce pays ne devrait pas être en opposition avec, n'est-ce pas, telle partie de la population ne fait pas partie des Congolais. Il devrait plutôt être préoccupé par la recherche d'autres populations pour que leur pays soit suffisamment habité, ce qui pourrait contribuer à l'économie de ce pays-là. Alors, voilà, c'est un problème de leadership, un problème de gouvernance. C'est un problème qui est posé. Et ce n'est pas un problème récent, c'est un problème qui date d'il y a très longtemps. Alors, l'honorable Mukai Joel a parlé, n'est-ce pas, de l'alerte. Nous sommes en train d'alerter. C'est ce que nous faisons. Mais il y a plusieurs voies qui peuvent être utilisées. Vous avez entendu même les réfugiés congolais qui sont ici, qui ont commencé aussi à lancer l'alerte. Mais vous savez, c'est un problème d'idéologie. Un problème d'idéologie, c'est un problème qui est assez complexe. Alors aujourd'hui, si vous demandez en RDC les problèmes issus de la guerre, eh bien, il y a des déplacés à cause des déplacés internes,
mais jamais ils ne parlent des réfugiés depuis plus de 20 ans dans les pays voisins de la RDC. Alors, ils ne parlent pas d'autres réfugiés nouveaux aujourd'hui. Vous allez l'entendre dans quelques jours à venir. Tous les visiteurs, alors, qui vont visiter la RDC, on va leur montrer, voilà, les personnes déplacées à cause de la guerre avec le M23. Mais plusieurs milliers, plus de 70 000 réfugiés qui sont ici au Rwanda depuis une vingtaine d'années. Il y a plus de 3 000 aujourd'hui. Il y en a d'autres qui sont au Kenya, au Burundi, en Ouganda. Donc voilà, c'est pareil pour les tueries, les meurtres. Si les Banyamulenge, les Emma, les Tutsis, quand ils meurent, donc c'est comme si c'était une normalité. Donc voilà, donc personne n'est préoccupé par lancer l'alerte. Alors, vous avez entendu parler. Je me souviens, à un certain moment, on a parlé des personnes qui avaient été tuées par le M23, une cinquantaine, eh bien, voilà, ils ont exagéré, ils ont dit que c'était plus des centaines, mais vous êtes rendu compte que depuis, je crois qu'ils avaient parlé de Kishishe, avec des personnes qui avaient été tuées. Alors, combien ont pu publier les noms? Seul le M23 a publier les noms des personnes qui avaient péri. Mais les autres ont parlé des centaines de personnes, mais personne n'a pu produire les noms des personnes tuées ou des personnes mortes. Alors voilà donc, voilà, ils ont alerté le monde, il y a des communiqués qui ont été publiés. Mais voilà, donc voilà, si ce sont des Banyamulenge, des Tutsi, des Emma, donc ce n'est pas un problème pour eux. Voilà. Alors, je crois qu'il est. Nous devons donc nous lever. Nous n'allons jamais nous taire devant ce problème. L'honorable Nizimana, il a parlé, n'est-ce pas? Des M23, donc le M23 qui a repris les combats en 2021. Donc voilà, ils ne sont pas venus du Rwanda. Voilà, donc la RDC ne fait que parler du Rwanda parce qu'il y a un problème politique. Alors, ce n'est pas parce que nous n'avons pas montré à la RDC que ceux qui étaient au Rwanda sont toujours au Rwanda. Ils n'ont même pas voulu venir voir parce qu'ils avaient un agenda caché pour utiliser le nom du Rwanda pour, n'est-ce pas, arriver à leurs objectifs politiques. Et nous pensons que c'est aussi relatif aux élections prévues en RDC à la fin de cette année. Alors, je crois qu'il y a des questions qui ont été posées, mais ce n'est pas des questions qui me sont posées à moi, mais je crois que ce sont des questions plutôt que chacun, les personnes qui ont posé ces questions, se posent ces questions. Pourquoi est-ce que la RDC ne respecte pas les droits des rwandophones? Voilà, c'est la même question que nous posons, je crois que tout le monde se pose cette question-là. J'imagine donc que cette question reste posée, et c'est une question posée à tout un chacun d'entre nous. Alors, concernant... n'est-ce pas, ces avions de guerre de la RDC qui viennent au Rwanda. Vous savez, donc, généralement, les avions civils peuvent, n'est-ce pas, traverser les frontières. Mais pour les avions militaires, les avions de guerre, il y a une législation spécifique. Vous savez, quand un avion de guerre d'un pays viole l'espace aérien d'un autre pays et que... un avertissement est lancé une fois, deux fois, et qu'il garde le silence, ou alors il nie, alors que vous avez déjà donné un avertissement. Eh bien, pour la troisième fois, je vous assure, il y a des mesures doivent être prises.
Donc, on ne peut pas violer impunément l'espace aérien dans notre pays. Pour les avions civils, c'est normal, cela se passe. Alors, il y a toujours des droits qui sont demandés et donc on avertit et puis des droits sont accordés. Voilà. Mais pour les avions de guerre, eh bien, donc après, n'est-ce pas, un climat délétère comme celui-là, après un avertissement, un deuxième avertissement, et puis la troisième fois, quand vous violez cet espace aérien, eh bien, voilà, des mesures sont prises. Voilà, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Quand ils ont dit qu'ils vont se venger, ils l'ont dit, ils ont dit qu'ils vont venir jusqu'à Kigali, prendre Kigali, bon. Attendons voir. Voilà, s'ils viennent, bon, on va les accueillir. Concernant, n'est-ce pas, les connivences entre les FDLR et les FARDC, bon, le président de la RDC a dit qu'il était prêt à aider et ceux qui veulent renverser le pouvoir qui est le pouvoir du Rwanda. Voilà, donc voilà. En fait, c'est un peu pour insister sur, n'est-ce pas, leur connivence. Bon, voilà, nous avons vu qu'ils ont des objectifs. Bon, je peux vous garantir, ils ne pourront pas y arriver. Mais, en le disant, en fait, il a prouvé que son gouvernement travaille de connivence avec les FDLR et ses autres groupes armés. Alors, je ne sais pas quelle autre preuve la communauté internationale attend. Pourquoi est-ce que les rwandophones sont les seuls qui sont persécutés alors que la RDC partage les frontières avec d'autres pays? Bon, je crois que c'est un problème d'idéologie et je crois que je vous en ai déjà parlé. Le Parlement peut beaucoup faire dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Vous savez, il y a aussi des parlements internationaux qui ont pris des mesures par rapport à ces problèmes. Ils parlent même du Rwanda et je pense qu'ils n'ont pas encore terminé. Je crois que attendez-vous à entendre des communiqués sur ce qui s'est passé, parce que c'est devenu pratiquement comme une culture. Oh, la RDC, il faut l'accompagner, il faut l'aider, mais pour le Rwanda, il faut chahuter le Rwanda, il faut le brutaliser, voilà. Voilà, tout le monde, il parle du Rwanda, voilà. Mais, encore une fois, ils peuvent rédiger publier des communiqués, mais ils devraient plutôt se poser la question de savoir leur rôle dans ce qui est en train d'arriver dans cette région. Alors, s'ils sont suffisamment humbles, s'ils veulent vraiment participer à la résolution de ce problème, ils devraient intervenir humblement en donnant des conseils au lieu de venir, n'est-ce pas, aussi disons, avec des menaces, en proférant des menaces. Voilà, non, cela n'est pas du tout acceptable. Et je crois que le Parlement devrait savoir que lorsqu'ils font cela, ce n'est pas parce qu'ils recherchent la paix pour cette région. Nous savons tous que ce sont des intérêts économiques qui les motivent. Voilà. Voilà, ils sont à la recherche des ressources dans cette région. Alors, voilà, pour y arriver, donc, ils veulent utiliser le Rwanda comme, disons, voilà. Bon, vous savez, je crois d'ailleurs que ceux-là auxquels la RDC demande l'aide, c'est eux-mêmes qui prennent ces ressources-là. Alors voilà, donc voilà. Les ressources, les intérêts, voilà. Donc les intérêts, il y a des intérêts entre les différents pays, voilà. Ils disent, voilà, nous voulons que vous quittiez, voilà. Généralement, voilà, pour avoir accès à ces ressources,
ils sont prêts à accompagner la RDC dans ses lacrymoiements. Voilà. Voilà. Donc, mais je crois que tout ce qu'ils doivent faire doit respecter aussi nos droits. Voilà. Donc, c'est ça la situation. Bon, ils ont leurs intérêts. Donc, en fait, ils ont leurs intérêts qu'ils poursuivent. Voilà, vous devriez donc le savoir. Et dans vos discussions avec d'autres parlements, vous devriez le dire, même dans vos analyses. Donc, nous devons aussi analyser et dire à d'autres parlements, surtout les parlements cherchent toujours à nous dénoncer, dont nous leur disons que nous savons pourquoi ils roulent et pour quels intérêts ils roulent. Je crois que j'ai répondu à l'honorable Mukavalisa, l'honorable Murungayire. Alors, en RDC, il y a plus de 130 groupes armés. Il y a des réfugiés congolais. Je crois que... voilà. Concernant la CRGL, bon, la CRGL a un mécanisme étendu de vérification, donc chargé de la vérification des incidents, notamment quand il y a eu violation des frontières, quand il y a eu des soldats qui ont été tués à la frontière lorsqu'ils ont envoyé des bombes à Kinigi. Tout cela, je crois que ce mécanisme donc a été créé pour mener des enquêtes. Alors, généralement, je ne crois pas que ce mécanisme est partiel. Mais il y a un autre groupe qu'on appelle le groupe des Nations Unies des experts qui publie régulièrement des rapports sur la région. Généralement, on voit un rapport, voilà, ils énumèrent tous les problèmes, ils parlent de M23 et puis ils parlent toujours du M23 et le Rwanda. Alors, toutes les preuves, ils disent, ils ont trouvé des preuves irréfutables. Alors, ils disent, voilà, vous savez, donc l'armement qui a été utilisé pour tirer et en RDC, ils disent que c'est venu du Rwanda. Alors que les armes utilisées pour tirer au Rwanda, ils disent, voilà, donc ils n'ont pas pu identifier la source des bombes. Donc voilà, c'est ce qu'ils disent toujours dans le rapport. Voilà. Alors, et puis après, ils disent, voilà, ils ont vu, je ne sais pas moi, n'est-ce pas, un uniforme qui ressemble à l'uniforme porté par les militaires rwandais au Mozambique. Voilà, donc pour tout ce qui concerne le Rwanda, ils disent, voilà, ils fabriquent, ils disent, voilà, nous avons vu des uniformes, nous avons vu, voilà, ils disent, nous avons vu des membres des M23 qui ont des uniformes qui ressemblent aux uniformes de l'armée du Rwanda. Et maintenant, dans les photos, vous trouvez qu'il y en a parmi ces rebelles qui portent des uniformes de l'armée de la RDC et des armées d'autres pays de la région. Voilà, donc vous voyez, dans leur rapport, ils sont toujours partiels. Ils sont toujours partiaux dans leur rapport, juste pour indexer le Rwanda. Voilà, pour donc justifier que donc, voilà, le Rwanda aurait des troupes. Voilà. Quand vous regardez les preuves, vous savez, ils ont des photos. Les photos, donc, ce sont des photos des gens qu'ils ont vus en RDC. Voilà. Voilà, ils n'ont aucune preuve. Maintenant, quand il faut parler des FARDC et des FDLR, donc il y a juste un petit paragraphe ou quelques phrases. Et puis, continue. Voilà. Et donc, on se rend compte que l'objectif du rapport était de chercher à indexer le Rwanda pour prouver que le M23 est soutenu par le Rwanda, alors que le problème se trouve chez eux, alors que, voilà, même le M23 est né après, n'est-ce pas,
n'est-ce pas, les attaques conjointes de la, des FRDC et des FDLR. Voilà. Voilà, donc voilà, dans tous ces accords que nous signons, que ce soit à Nairobi, à Luanda et ailleurs, alors la RDC, souvent la RDC montre toujours, donc on montre toujours que c'est la RDC qui est victime. Et pourtant, la RDC est en fait l'origine de tous ces problèmes. C'est la RDC qui a reçu les FDLR. C'est la RDC qui les a entretenus. C'est la RDC qui leur a donné tout ce qu'il faut pour déstabiliser, n'est-ce pas, toute cette région-là. Alors, donc, voilà. Mais, voilà, donc... Et voilà, donc... voilà. Voilà, donc maintenant, quand on cherche à trouver les responsables, il faut toujours aussi parler de ces troupes envoyées par les Nations Unies depuis une vingtaine d'années qui n'ont toujours pas résolu le problème. Voilà. Donc tout cela, c'est par rapport à la communauté internationale. Voilà, telle est la fameuse communauté internationale, toujours partiale selon les intérêts. Alors voilà, donc c'est ça la fameuse communauté internationale. Dans les pays les plus forts, qui, en fait, demandent aux autres de rendre compte, mais eux ne veulent pas rendre compte par rapport aux problèmes qu'ils ont causés dans le monde. Vous savez, voilà, tuer les Tutsis, tuer les populations, c'est pas quelque chose de normal, mais comme c'est eux, voilà, ils n'en parlent pas, voilà. Voilà. Le discours de haine, je vous en ai déjà parlé. Je ne sais pas si vous avez vu ce communiqué. Un communiqué qui a été publié parlant du discours de haine dans les deux parties. Dans ce que nous sommes en train de dire ici. En parlant de l'idéologie du génocide. Voilà, donc là, ils essaient de parler un langage politique pour ne pas blesser. Il parle, n'est-ce pas, les deux parties. Alors, si vous ne voulez rien faire pour arrêter le génocide, vous ne pouvez pas voir deux parties. Il n'y a pas deux parties dans un génocide. Quand vous commencez à parler d'un discours de haine de part et d'autre, eh bien, là... Est-ce que vous voulez dire que tous sont des génocidaires ou des tueurs? Alors, le génocide, c'est leur définition d'ailleurs. La définition du génocide, c'est que le génocide a un auteur et une victime. Alors, quand ils parlent des deux parties, ce sont ceux-là qui ne veulent toujours pas dire ou parler du génocide contre les Tutsis. Vous vous souvenez pendant les périodes de commémoration? Ils essaient toujours de trouver un langage diplomatique. Donc, c'est un génocide perpétré contre les Tutsis. Sinon, ce ne serait pas un génocide. Voilà. Bon, ce sont les mêmes qui continuent à parler, n'est-ce pas, d'un langage de haine de part et d'autre. Alors, concernant la commission chargée d'étudier, n'est-ce pas, ces problématiques de la région jusqu'au génocide contre les Tutsis, avec maintenant l'idéologie du génocide. Je crois que cela est dans les prérogatives du Parlement. Donc je crois que le Parlement pourrait, n'est-ce pas, créer une telle commission. Et nous, en tant que gouvernement, nous sommes prêts à vous donner toutes les informations nécessaires et à vous apporter tout notre appui pour que cette commission puisse travailler. Donc, cela est dans les prérogatives de ce Parlement. Sinon, il y a le non-respect
des accords par le gouvernement de la RDC. Il y a eu des accords d'Addis Abeba, de Sun City. Vous savez, le gouvernement de la RDC signe toujours des accords, mais ne veut pas les mettre en œuvre. Vous savez, il y a eu Nairobi, Luanda, mais il y a eu d'autres réunions. Il y a eu une réunion à New York, il y a eu une réunion... il y a même une réunion qui allait avoir lieu à Qatar sur ces questions. Alors, certaines de ces réunions, bon, c'est même la RDC qui demande la tenue de ces réunions. Et à la dernière minute, la RDC se retire. Vous avez vu le président de la RDC dans la réunion de New York entre le président du Rwanda, le président de la RDC, avec le président de la France. Voilà, il y a eu une réunion, il y a eu un communiqué, et après, le président de la RDC est allé prononcer un discours dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a insulté le Rwanda copieusement. Donc, il a dit des choses contraires à la recherche de la paix et au retour de la paix. Voilà, donc le non-respect des... Et le non-respect des conventions, des accords, voilà, ça, c'est devenu, n'est-ce pas, la marque de la RDC. Voilà, vous voyez, dans la dernière minute, la RDC se retire des accords. Voilà, donc, c'est ça le problème, donc, de l'idéologie, du leadership, de la gouvernance. Donc, voilà, ce sont là les problèmes, les maux de la RDC. Donc, ils veulent retarder les choses, semer la confusion. Voilà, c'est ça. Ce sont... Voilà, donc, voilà, apparemment, ils veulent faire la guerre, comme ils le disent dans leur... Alors, vous avez entendu le communiqué du ministre des Affaires étrangères de la RDC, le 17 de ce mois. Donc, voilà, ils ont dit qu'ils se retiraient de Luanda, qu'ils allaient préparer la guerre. Bon, voilà. Bon, voilà. Sinon, tout ce qu'ils font, c'est juste des manigances. Vous avez vu deux avions qui ont violé notre espace aérien. Il y a eu des mercenaires, il y a eu, n'est-ce pas, des armements qui ont été donnés. Voilà, donc voilà. Ils vont dans différentes réunions, mais pour faire diversion. Je crois qu'ils cherchent à se préparer. Bon, voilà. Si c'est possible pour eux, bon. Eux, ils pensent que la guerre, c'est ce qu'il faut faire avant les négociations de la paix. Je crois que j'ai déjà fait le tour de toutes les questions. L'honorable vice-président a parlé, n'est-ce pas, des troupes zaïroises qui sont venues dans notre pays en 1990. Voilà. Voilà, donc les FDLR et tous ces autres groupes, Rude, Lunana et Ali, donc ce ne sont pas des fabrications. Le président de la RDC a dit une fois que les FDLR n'existaient plus, qu'ils sont déjà rentrés, que d'autres sont morts. Alors maintenant, ceux-là qui sont morts dans ces combats, d'où viennent-ils? S'il y a des colonels, des majors, voilà. Donc ils sont là. Et nous le savons, c'est eux qui combattent. C'est eux qui se réunissent avec les FARDC. Bon, nous savons, nous avons toutes les informations. Mais hélas, même les Nations Unies se prêtent au jeu. Quand la MONUSCO soutient les FARDC alors que la FDC combat les FDLR, donc qu'est-ce que cela signifie? Voilà. Bon, je ne sais pas comment, mais vous comprenez un peu le désordre ambiant. C'est pour cela que rien de positif ne peut sortir de ces troupes onusiennes. Merci beaucoup, Madame la Présidente de la Chambre des députés. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces explications. Mais il y a un député qui voudrait intervenir. Député Abineza, merci, Madame la Présidente. Je voudrais remercier le ministre pour les explications détaillées sur cette question
ce problème entre le Congo et le Rwanda. Merci pour tout ce que vous avez déjà accompli. Nous espérons que le Rwanda s'en sortira au mieux. Alors, je voudrais parler d'un aspect un peu différent. Nous avons vu dans les informations que la Somalie demande à adhérer à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. S'il vous plaît, nous sommes en train, donc, nous ne voulons pas faire diversion. Nous voulons rester dans le cadre. Je voulais parler de l'Ouganda aussi, parce qu'on en a parlé. Nous nous félicitons que les relations entre notre pays et l'Ouganda s'améliorent. Mais je voudrais demander quelles sont les stratégies. Quelles sont les stratégies mises en place pour, n'est-ce pas, lutter contre la fraude, comme on l'a vu cette semaine. Nous avons vu que donc c'est la fraude a contribué à l'enveniment, donc à envenimer les relations de notre pays. Quelles sont les stratégies mises en place pour, n'est-ce pas, surmonter ces problèmes, notamment les problèmes liés à la fraude, car cela peut, n'est-ce pas, occasionner un mauvais climat entre les pays. Il est vrai qu'il y a, un citoyen qui a été tué alors qu'il était en train de traverser la frontière avec des produits de fraude, mais je peux vous dire que pour les pays voisins, ce genre de problèmes peuvent exister. Il y a des personnes qui commettent la fraude, qui commettent des infractions transfrontalières. Bon, voilà, là, il y avait des citoyens qui avaient, n'est-ce pas, qui voulaient traverser avec des produits de fraude. Et finalement, ils ont voulu lutter contre les forces de l'ordre. Et voilà, c'est comme ça que dont les forces de l'ordre ont tiré sur cette personne-là. Voilà. Généralement, ce sont des gens, parfois, qui ont des armes, qui sont toujours prêts à lutter contre les forces de l'ordre. Alors, voilà, c'est un problème qui peut arriver. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait une collaboration entre les pays. Alors, il y a toujours un mécanisme de suivi. Et même quand il y a des problèmes, l'on essaie d'enquêter, de voir l'origine et l'on fait un suivi sans que cela ne puisse envenimer les relations entre les pays, comme cela a été le cas dans le passé. Alors, grâce à notre bonne relation avec l'Ouganda aujourd'hui, bon, je ne crois pas qu'un tel incident peut occasionner peut envenimer les relations entre nos pays. Voilà, nous utilisons donc les mécanismes déjà en place pour mener des enquêtes et voilà, afin de prendre les mesures qui s'imposent. Alors, ce qui s'est donc passé, c'est qu'il y a des gens qui faisaient la fraude, qui traversaient la frontière, et c'est des gens qui sont munis d'armes. Alors, parfois, nous avons donc un mécanisme de suivi et donc le dialogue donc est de mise. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Nous voudrions vous remercier les députés qui sont intervenus. Et nous avons entendu différentes propositions. Alors, je crois que le Parlement va rédiger une résolution pour dénoncer le génocide en cours en RDC. Et il y a un député qui a proposé la création d'une commission qui doit analyser en profondeur ces problématiques pour que, même s'il y a une résolution, ou alors même si nous pouvons poursuivre
des contacts au niveau de la diplomatie parlementaire, que ce soit des problématiques qui sont bien analysées en montrant les différentes facettes des problèmes. Et d'autres députés ont soutenu que cette commission puisse être créée afin donc d'analyser en profondeur toutes ces problématiques, afin que tout ce qui est fait soit fondé sur des analyses bien approfondies. Et je crois que même le ministre l'a dit, que cela est dans les prérogatives du Parlement. Alors, dans les résolutions que nous pouvons tirer de cette entrevue, il y a d'autres résolutions donc, qui seront proposées. Alors, je voudrais demander donc aux membres du Parlement si nous pouvons donc nous mettre d'accord sur la création de cette commission. Voilà. Mesdames et messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les députés, alors après avoir pris cette résolution de créer cette commission, donc ce qui peut être fait plus tard, alors nous, en tant que bureau, nous allons approfondir la discussion, nous allons vous présenter une proposition. Il y a donc la commission, la composition de cette commission, les responsabilités de cette commission. Voilà, c'est des choses que nous ne pouvons pas faire ici, mais nous vous demandons que le bureau puisse, n'est-ce pas, analyser cela en profondeur et vous le proposer plus tard. Alors, le dernier point à l'ordre du jour. Alors, vous avez vu qu'il y a une autre résolution que nous devons approfondir et que nous allons vous présenter pour être adoptée. Alors, nous vous demandons que nous ayons 15 jours avant la fin de la session extraordinaire. Nous allons donc vous présenter cette proposition après l'adoption par la plénière. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les vice-présidents. Mesdames et messieurs les députés, voilà donc, nous avons clôturé, nous avons épuisé l'ordre du jour et nous allons donc vous présenter ces résolutions pour que vous puissiez les adopter dans les 15 jours. Nous voudrions remercier aussi le ministre des Affaires étrangères pour les explications reçus. Nous leur avons demandé de venir nous donner ces explications. Nous allons continuer alors avec la commission que nous allons créer et nous pourrons donc avoir des informations appropriées pour nous permettre de continuer à nous acquitter de notre mission dans le cadre de la diplomatie parlementaire et en collaboration avec les autres institutions de notre pays. Merci. Voilà, nous vous informerons du programme bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée.